Le but de l'étude, c'est d'avoir une approche technico-financière. Plusieurs solutions sont envisageables, plus ou moins longues ou lourdes à mettre en œuvre. C'est une nécessité par rapport à la sécurité des usagers. Le problème est surtout dû à la hauteur de chute. Et sur le fait que la disparition de l'immeuble fait que on a un petit peu du mal à tenir tout ça et qu'au fil du temps, et notamment des cycles gel-dégel, de la pluie, des précipitations, tout ça a tendance à raviner comme l'image de n'importe quel talus ou faille ou saillie. Voilà.